Et on est reparti YouTube, on est toujours en train de nourrir Brian Anatole avec des pommes. Ah merde! Ah, je pensais que c'était par là qu'il fallait aller. Peut-être c'est notre ami maintenant. Si, c'est notre ami de toujours. C'est Brian Anatole, notre copain. Il est trop chou. Petite cinématique, non d'accord. Ah si, il court. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, il nous ouvre le chemin. Je savais qu'on pouvait avoir confiance en notre propre fils, Brian Anatole. Ouh. D'accord, j'ai cru que je me mangeais la gueule. Allez, viens, on continue cette belle aventure. Il est trop chou à nous suivre. J'espère qu'il reste avec nous jusqu'à la fin de l'aventure. Ils lui ont mis des petites lianes, sinon il n'arriverait pas à arriver aussi haut. Trop trop cool. Il fait des chemins dans les souches d'arbres. Il est mignon comme tout. Où est-ce qu'on arrive ici? Il y a une petite... Oh, qu'est-ce qu'il fait là? Attends, il y a un truc là. Oh, il fait comme nous! On est la famille des cubes! Il est trop chou! Il est trop bien ce truc! J'ai l'impression d'avoir un compagnon dans mon équipe de RPG. Ah. Par contre, il est nul en saut. C'est une information qu'il faut retenir. J'ai cassé ça, je pensais que ça servirait à quelque chose. Mais apparemment pas. Je pense que moi je devrais être en haut en fait. Hein. Que quoi? Comment? Comment est-ce qu'il est monté? Il cheat. Là aussi on casse des trucs, mais... À quoi que ça sert, je ne sais pas. Ça. D'accord. Tiens, une pomme pour toi. Une promesse. Nourris-toi, petit Brian Anatole. C'est quoi ici? Ah, faut peut-être péter là. Ah non. D'accord. Je vais pas penser qu'on tomberait. Ah d'accord, il y a deux chemins. Ok, trop cool. Et là, on va faire un combo pour péter le truc parce que tout seul, on n'y arriverait pas. Tellement stylé. Oh, il roule. Il roule. Incroyable. Je vais voir s'il n'y a pas quelque chose ici. Il y a une pomme pour toi, Brian Anatole. Viens manger. Il est mort. J'ai cru qu'il était vraiment mort. Et viens manger la pomme, Brian Anatole. Tu verras, elle est bonne. Il y a déjà des trognons de pommes, c'est-à-dire que c'est pas le seul, son espèce. Il est trop mignon. Trop kawaii. Go, c'est parti. On monte maintenant. Ah, fais-nous un chemin. J'ai l'impression qu'il est parti, genre il est rentré chez lui. Non. Non. On a perdu Brian Anatole. Tu étais mon plus grand allié. J'avais confiance en toi. Brian. Il va ressortir ici. Pas du tout. Moi, je suis déçu. Il va me manquer. Il était trop mignon. Trop cool et tout. Maintenant, on se retrouve tout seul. On s'était fait un ami, mais il ne restera pas. Oh, ça c'est un nouveau pouvoir par contre. On n'a pas assez d'esprit. De machin. Hein. On a zéro en fait. Faut les trouver d'abord. Ah! Je ne m'y attendais pas. Je sais pas où ils pourraient être ces trucs. D'accord, on va aller voir l'autre côté d'abord. Parce que j'ai l'impression qu'on repasse dessous, comme si on pouvait aller d'un côté à l'autre par le bas. C'est stylé avec ses racines et tout. Tellement beau. C'est beau, Benjamin. Aïe. Oh, il y en a un, mais il est rond. Il y en a plein. Ah non. D'accord, c'est bon. Il y en a plein. Attendez, je voulais jouer avec eux. Regardez. Coucou. Coucou les copains.
Trop bien les hommes de pierre. Vous avez pas un machin pour moi là? Genre moi je peux. Ils peuvent se mettre dessus mais moi je peux pas monter dessus. C'est injuste tout ça. D'accord. Bonjour. Il y en a beaucoup en fait. C'est trop chou. On est dans leur maison, dans leur souterrain, c'est un peu comme des fourmis. Peut-être qu'on va retrouver notre copain. Oh! Suffit que je le dise. Les retrouvailles, magnifique. Ah si c'est pas beau. Et il me donne un truc. Une poussière, je sais pas quoi là. Ah mais c'est l'endroit où il a sauté avant. Merci. Tu resteras mon meilleur ami. Je t'ai ramené à la maison, tu étais perdu. Mais là tout va mieux, c'est ça? Ah c'est incroyable. Et du coup on a une des lumières. Il nous manque plus qu'une pour avoir le deuxième pouvoir. Trop trop bien. Alors, je crois qu'il nous en manque une. Hein. Ouais, il manque une. Pas monter là-haut pour le moment. Ah, non, c'est bon. Chaque fois, j'ai peur de mourir en tombant, alors que je ne risque rien dans ce jeu. C'est un jeu de la pas de la très pacifique. Pacificité, ça se dit ça? Je pense pas. Coucou. Qu'est-ce qu'on a par ici? D'accord. Je pense qu'il va falloir faire du saut. Oula. Ah mais c'est à chaque fois que je saute que ça change. C'est stylé. Si, c'est vachement rapide votre connerie là. Puis là j'imagine qu'on peut pas y aller. C'est marrant. C'est pas très dur, hein. On saute pas au mauvais endroit. C'est très fasciné. Ah, là aussi, ça change maintenant. Poc, 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 poc. 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 Ah là, ouais, il est là, ouais. Putain, ma manette, elle vibre en non-stop. Ok, on peut passer par là. Putain, dès qu'on est posé. Oh non! Non! Ah, on va voir tout sur ta. Ah non, on peut remonter là, c'est bon. J'ai eu un petit peu peur. Ok, tout va bien pour le moment. Je crois que ça vibre comme n'importe quoi quand on est ici. Peut-être parce qu'on n'a pas chopé le truc et il est pas content du coup. Et je suis pas content. Ah, il y en a un autre là-bas aussi. Toujours pas à quoi ça sert ces trucs. Mais ça sert à quelque chose apparemment. Merde, pas que je saute. Poc, 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 et poc. La dernière étoile. L'étoile du Beauvais. Du coup, on peut retourner par là. Je pense que ça nous ramène au début. Enfin, vers la. Le machin là. Machin au pouvoir. Eh oui, clairement. Cool, cool, et. Bonjour. Qu'est-ce qui va se passer du coup? Ouais, c'est un pouvoir. Ah, le pouvoir du losange maintenant. Oh, c'est le double saut, c'est ça? C'est le double saut maintenant, les amis. Triangle enfoncé. Bon, on a déjà un double saut. Parce que c'est quoi pour vous, triangle sur ma manette? Parce que moi, j'ai pas de triangle. Enfin, triangle, ça fait rien. Rien à voir avec ça. C'est le cube, hein, ça change pas. Je pense que c'est juste le double saut, hein. Ah, c'est pour planer. Il disait enfoncé. Ah, d'accord, on peut planer aussi. D'accord, ça explique certaines choses. Bouh! Ouais, c'est stylé de pouvoir
pouvoir faire ça comme ça en fait. Cool les piaf. Il y a des arbres sur des arbres, j'ai l'impression. Boum. Et après? Qu'on revienne là? Ah bah non, on peut planer jusque là-bas. Complètement con. J'ai cru que je me mangeais. Et là, c'est quoi? Une nouvelle couleur? P sur A. Boum. Trop bien. Trop kiffant. Bonjour le petit arbre. C'est des copains à nous, ça? Quelque chose ici, peut-être? Pas du tout. Bon, y a le truc qui bouge, là. On va libérer des... Ah. D'accord, et ben voilà. Quand même des petits trucs planqués, ça c'est cool. Stylé, complètement stylé quoi. Pouk. Pouk. Ah ouais, il y a quelque chose. Comment qu'on l'atteint? En fait, on peut le voir sur les petits papillons rouges où on peut faire des super sauts comme ça. Ah. D'accord. D'accord, d'accord, merci le jeu. Des fois, tu es un peu un salaud, tu sais. Ah d'accord, il faut sauter et puis après planer, j'imagine. J'imagine, ouais. En plus, il y a la lumière qui nous sert un peu de guide, j'ai l'impression. De guide visuel. D'abord, tu sautes et après, tu planes. Voilà, d'accord. Ok, ça explique certaines choses. Ça explique certaines choses. Que je suis nul, peut-être. Et zbium, on s'envole. Tu. Oh, il y a un truc qui tourne autour, je pense qu'il faut les choper en plein vol pour s'envoler. Ah, trop cool. Tellement stylé. Bonjour. Voilà, il y a un petit truc caché, hein. Vous m'aurez pas comme ça, hein. Ah, c'est peut-être même pas un petit truc caché. Genre, il y a quelque chose là-bas. Non, on peut pas y aller, c'est de la déco. Il faut libérer les papillons pour s'envoler. D'accord. Il fallait que je fasse un saut. Merci. Et du coup, par là, qu'est-ce qu'on a? Des escaliers incroyables. Peut-être savoir sur qu'est-ce qui est du décor, qu'est-ce qui ne l'est pas. Ce qui reste quand même... plutôt complexe. Pas besoin de planer finalement ici. C'est trop stylé. Et l'ambiance est tellement posée et tout, je kiffe trop. Juste déçu d'avoir perdu mon copain navet. C'était le meilleur de mes coéquipiers. D'accord, on peut pas essayer de skip des passages. Merci, reste là. Non, reste là. C'est bon, ça passe. Easy. Easy peasy, my friend. Ah, d'accord. Et bim. Et bim, on monte maintenant. Ah, merde. Non, c'est bon, ça passe. Ouh, là, on va s'envoler vers l'infini de l'univers, j'ai l'impression. Poc. Poc. Attendez, non, non, je veux pas monter maintenant. Je crois qu'il y avait un truc sur la droite. Y'a pas quelque chose sur la droite? Ça me paraît un peu louche tout ça quand même. Ça me paraît un peu louche, on va aller jeter un coup d'œil de plus près. On tombe quand même vachement vite. Hein. Ah non, c'est du pur... Oh l'erreur! Oh l'erreur! Comme quoi, hein, j'aime trop fouiller les univers. Fuck. On se retape le chemin inverse. Hein. Et quand je suis pris le plafond, très agréable. Putain. Comment j'ai fait pour passer aussi vite la première fois? Ouais, je sais pas. Hein. Vraiment attendre que le truc ils sont en train de despawn pour s'envoler quoi.
Après, ça passe sans trop de problèmes. Ok, cette fois on fait pas demi-tour hein, parce que ça me fait faire des bêtises. Ok, c'est quand même moi qui joue là, d'accord. Oh, le petit palais là, y a pas quelque chose à choper? J'essaie de regarder s'il y a pas des trucs hein, planqués. Mais j'ai pas l'impression. Bonjour. Petite statue qui pleure. Encore une statue qui pleure. Elles sont partout. Voilà, ça part dans tous les sens par contre ce truc. Hein. Pépépé. Pot qui bouge. Enfin, les fleurs dans les pots qui bougent quand je passe. C'est stylé. Ok. Par ici, hein. On suit les papillons. Les papillons sont nos amis. Et il y a beaucoup trop de papillons là. Ils sont dark en plus. J'ai pas trop confiance en eux. J'ai l'impression qu'ils vont se transformer en truc et m'attaquer. Ben, j'ai peut-être pas si tort que ça finalement. Ah non, c'est un gentil copain, pardon. Il est beau. Le noiseau. D'accord, non, il est pas gentil, il est pas gentil. Fuck. T'es un vilain oiseau. Et j'ai pas vu, il y avait des machins là pour s'envoler. Ah d'accord, on doit même pas le combattre. On se barre juste en fait. Oh moi je m'en bats les couilles hein. Non c'est quoi ça? Laisse-moi tranquille. Non, 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 c'est pas gentil ça à mon avis. Eh tu me feras pas reculer hein. Je suis plus lourd qu'il n'y paraît. Les eaux rouges contre les papillons rouges contre les papillons noirs, c'est ça? Il fait du vent. Mais il est stylé, il est tellement bien fait. Non mais laisse-moi tranquille hein. Moi je te laisse crier en bas, moi je me barre. Balèque de toi. Ah, je sais pas pourquoi je m'attendais tellement qu'il se passe quelque chose sur ce sol fissuré. C'est beaucoup plus loin les machins. Ok, on monte. On s'envole vers de nouvelles aventures. Il est pas là, Piafounet. Il a l'air d'avoir abandonné. Donc tout va bien. Ah effectivement, il a vraiment l'air de se barrer. Ah non, pas du tout. Je pense qu'à la fin, on va le combattre. D'accord. Quand on est prêt, ça ne sert à rien. Le vent est trop fort. Je crois qu'il faut utiliser son propre vent pour passer, en fait. En planant. Oh, trop stylé. Trop stylé. T'as rien par là? Pas du tout, d'accord. Demi-tour. Où qu'il est? J'ai peur qu'il pète des trucs et que je me fasse genre écraser. Il est juste là, notre copain. Notre ami de toujours, le Piaf. Là, j'ai l'impression que c'est une grande zone, donc je pense qu'on va le combattre. Hein. Enfin, on va essayer de lui éclater la tête, peut-être. Allez, sans lui, on n'y arriverait pas. Ah non, d'accord, je pensais qu'il fallait que je m'arrête. Pas du tout. Donc en fait, il nous aide, finalement. C'est un gentil Piaf. Méchant ou gentil, je ne sais plus. Je ne sais plus que penser de lui. D'accord. Il faut que je m'arrête au milieu, je pense, mais... Mais j'y arrive pas. Ah, faut que je me mette en caillou, peut-être. Et je suis encore là. Mais non, j'étais en train de sauter. Faut le faire bien avant qu'il crie, en fait. Ok, j'ai capté. Ça va le faire. Et le caillou. Mais je suis toujours là, mon gars.
Et après, tout le monde laisse passer tranquillou. C'est bien gentil, mon ami. Et on monte, hein, jusqu'au fin fond de l'univers. Pin, pin, pin. Ah, là, je crois qu'on arrive tout en haut. Hein. Plus haut, ça risque d'être compliqué. Il n'y a plus la musique, donc je me demande si on va pas ne plus jamais revoir le PF. Attaqué par un pigeon. Oh, pas du tout, il est là. Je sais pas vraiment si on le considère comme un ennemi ou pas, en fait. Parce qu'il a pas l'air si méchant que ça, là. Hein. Il fait même de la musique. Ça, c'est pas beau. On aime la musique, nous. Non, c'est tout calme. Oula, c'est quoi ce gros cul? Merde. Chardé. J'ai raté le saut. D'accord, je prends le plafond maintenant. Rien ne va plus finalement. Go. Boum. Boum. Alors là, j'ai vraiment l'impression qu'on va avoir un combat. Hein. Ah. Ah, tes conneries là. Non. Et je les ai vus les petites. Les petits. Palpitations. C'est une plateforme ce truc, d'accord. C'est bon à savoir. Est-ce que ça fait bouger quelque chose là? Que dalle. Hein. Cool dalle, que dalle. D'accord, ça ne marchera pas comme ça. Qu'est-ce qu'on va foutre par ici? Qu'on va s'approcher du piaf? Pareil compliqué, hein. Je sais pas ce qu'on doit foutre. Faire sonner la cloche? Ah, en faisant gauche-droite, peut-être. Je sais pas. Je suis un peu perdu ce que je dois faire là. Ah, peut-être que je dois m'enfuir. À l'opposé, genre ça me souffle tellement loin et je me barre. Pas du tout. Si on tombe, je pense qu'on meurt là en fait. On peut même pas, d'accord. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir foutre par ici? On peut monter les deux côtés. Ça, d'accord. Péter les piliers peut-être? Non plus. Je peux pas bouger la cloche de faire ça. Lui, il fait bouger la cloche. Je me demande s'il n'aura pas interchangé d'un côté à l'autre pour qu'il fasse bouger la cloche plus vite. Mais genre là, elle est presque arrêtée. On a pris trop de temps. Je sais pas. Elle bouge encore un peu, là. Elle bouge plus que la dernière fois. Ok, une fois c'est mort. Là, elle bouge pas mal. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Hein. Mais ça va prendre un certain temps là. Elle est à l'arrêt de nouveau là.
Mais non, mais je veux pas me faire choper par ta connerie. C'est clairement mort, à chaque fois il me pousse. Je sais pas. Oula, oula, tombe, tombe! Tout ce que je demande, Gertrude. D'accord, je sais vraiment pas ce que je dois foutre là. Je réfléchis, mais j'ai pas d'idée qui me vient à l'esprit. Quelque chose à faire avec cette cloche, hein, parce que. On peut le faire aller à gauche, à droite, mais. Chiant! Chiant le piaf! On peut même pas s'en approcher pour essayer de lui donner un coup là. Même pas à passer comme ça. Ah, elle bouge de plus en plus là quand même. Hein. Ah, on peut l'approcher comme ça peut-être. Parce que là, il se barre pas. Est-ce que ça va changer quelque chose? Ah, là, ça la vénère. Ok, d'accord. Ouais, mais le show était limite hein, quand même pour passer de la cloche à l'autre côté. Ok, intéressant comme combat. Et maintenant on a un petit saut. Du coup, on l'a battu là? Je pense que oui. Hein. C'est assez intéressant. Hein. Ah merde, j'ai pas fait le double saut. Allez. Petite constellation pour passer maintenant. En arrivant dans le paradis, ça se passe comment ici? C'est joli en tout cas. J'adore quand elle saute, on dirait un lapin qui fait du pied joint. Bonjour vous, qui êtes-vous? Que voulez-vous? Wesh alors. Et tu le sautes dans la main. Incroyable. Je vois, elle est triste. Ah, une nouvelle couleur, le bleu. Ah non, c'est du gris. Non, c'est du bleu, à mon avis, là. C'est du bleu, clairement. On a eu vert, on a eu bleu, on a eu rouge. Je pense qu'on aura encore du jaune, au moins. Ok, on a eu... rouge, vert, bleu, qui sont les trois couleurs primaires, quand même. Oh, la pluie. Ça va faire quelque chose, du coup, la pluie. On a bloqué le bleu. Le succès est bleu. Et glisse, mon ami, glisse. Jusqu'à tomber quelque part. Dans le néant. On revient dans la forêt. Peut-être que les arbres auront poussé maintenant, ils seront mieux. Oh, de choulo. Nouvelle zone? Je sais pas. Oh, c'est trop stylé, maintenant on voit les trucs, on peut marcher dessus. Tellement beau. Ce jeu est magnifique, je vous le conseille vraiment, à part ça, si vous voulez... Si vous voulez jouer, là, il y a du... Du full beauté en jeu, quoi. Du coup, on peut faire demi-tour et revenir à notre chemin initial. Et ça, c'est beau. Ah. Ah. Le manque de talent. Ah, qu'on peut juste passer comme ça, en fait. Et là, on va avoir un truc, là, en haut. Pas pour rien qu'on peut... Qu'il y a ça là.
Il va y avoir un petit truc planqué. Alors voilà. On passe par là. On fait des petits sauts, quoi. Oh, j'ai merdé. Fuck. Ah, on me dit pas que je dois tout me retaper. C'est sûr qu'il y a quelque chose de planqué, hein. C'est pas pour rien qu'ils nous mettent ça. Bon, tout me retaper, c'est peut-être un grand mot, il n'y avait pas tant que ça à faire, mais. Allez, on va y arriver cette fois. Peut-être se concentrer un peu plus. Et boum. Cette fois, ça ne sera pas un échec. Donc, clairement pas. Bon bah tant pis pour ce truc, hein. J'ai la flemme de me retaper tout. Surtout que je sais pas ce que c'est, donc c'est un peu tristounet quand même. Faut qu'il nous explique ce que c'est si vous voulez que je les récolte. On va tous les récolter, ça sert pas à grand chose, pas à 100% le jeu. Ce qui ne m'intéresse pas plus que ça non plus. Y a de l'eau un peu partout, du coup ça change, c'est trop cool. Plouf! Trop magnifique. Il n'y avait pas ça avant. Ah! On est en dessous du pont qui s'est effondré, je pense. Et là, on va remonter. Pas du tout. Ah, peut-être, en fait. Mais plus loin. Poc! 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 Trop cool. Bon, c'était bien les sauts comme ça, pourquoi ils les ont enlevés? C'est de passer juste simplement sous le pont. Plutôt que de faire tout le tour. Si on se met en pied-pierre, on tombe là. On peut pas. Ce serait bien qu'on coule avec la pied-pierre pour avoir des accès à des trucs un peu planqués. C'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Il y a... C'est le nombre d'étoiles qu'il y a, je pense. On peut voir ce qu'on a récolté. J'ai l'impression qu'il me dit qu'il y a un chemin en dessous de la zone qu'on vient de voir avant. C'est peut-être juste par ici. Ah mais on l'a revu tout au début. Ok, on est là. Attends, on a chopé deux trucs. Et je crois que c'est les deux qu'on a chopé. Peut-être c'est pour voir dans quelle zone il nous manque des étoiles pour accéder à ce chemin d'ici avant qu'on arrive à la fin, quoi. Si on en a loupé un. Il nous manque beaucoup quand même. Et du coup, ça s'est illuminé de l'autre côté ou ça a fait quelque chose? Que je sais pas moi. Je crois qu'on pouvait pas repasser. Pas vous illuminer pour dire qu'on les a obtenus. On va aller voir de l'autre côté si ça s'est illuminé. Il faut pas que ça, la dernière fois qu'on est passé devant ces trucs, c'était le cas. Enfin, on est allé là-bas en bas, qu'on peut encore monter. Ah, genre là, voilà, ça s'est illuminé. Genre là, on en a loupé une aussi, apparemment. Alors qu'on retourne dedans et choper. Par contre, l'autre temps, on en a loupé plein. C'est la zone du bas et la zone du haut, en fait, je crois. Je crois qu'il y avait un trou où on pouvait descendre. Et je l'ai pas vu. On va voir s'il nous en manque aussi par là. Ah, ouais, il nous en manque masse! Et du coup, on tombe où? D'accord. Et du coup, on va essayer de choper ce qui nous manque parce que ça va être un enfer. Apparemment, il y avait justement aussi une zone un peu souterraine. Non. Je peux pas repasser là? Bah, apparemment, on peut pas retourner en arrière. Du coup, je sais pas où je dois aller maintenant. En tout cas, pas pour le moment, en tout cas. À moins qu'on. Ça marche pas, ça, on est d'accord. Écoutez, on va aller ailleurs du coup. C'était pas par là. Incroyable. Mais on a deux petits pouvoirs, maintenant on va pouvoir continuer à chercher. Donc là en bas on avait été, c'était l'espèce de désert. Ah, et puis là on pouvait pas y aller avant. Parce qu'on n'avait pas le double saut.
Y a plusieurs zones ou y a quoi là en haut? Je pense qu'on peut aller sur le toit là si on fait pas de la merde. Non, pas pour le moment. Peut-être plus tard, je pense. Et du coup, par là, il n'y a rien non plus. Que dalle. Allez, on redescend. On va aller tout droit alors. On va voir ce qui apparaît ici. Ça va péter le pont aussi comme la dernière fois. Ça va me faire sursauter. Tu. On peut pas aller? Que quoi? Bah, je pense qu'on doit pouvoir aller sur le toit alors. On peut pas péter ça, non? Peut-être dans les airs qu'il faut aller. À que je sais pas. On va essayer par là. Non, même en planant, on n'y arrive jamais là. Que dalle. C'est de l'autre côté. Ça paraît bizarre parce que le toit a l'air chaud à atteindre en fait. Peut-être que je plane trop vite aussi et que j'annule mon inertie. Je me laisse pas assez envoler. Apparemment pas. Du coup, on va essayer de redescendre dans la partie du bas. Voir si maintenant qu'il a plu, il y a peut-être des choses qui ont changé. On verra si on peut y aller aussi déjà. Tu, le petit piaf. Ah, genre là, on n'a pas été. On pouvait pas y aller. Intéressant ça. On va aller par là du coup. Vers la tortue. Ok. L'eau ça remplit les trous. Comme ça on peut passer. Ça c'est intéressant. Et là on tombe dans une nouvelle zone. D'accord. On trouve du nouveau contenu. Bim. Sur une autre zone un peu aquatique. Peut-être un pouvoir de nager sous l'eau. Ce sera utile pour revenir en arrière dans les dernières zones, là, où il nous manque des trucs. Il y a l'air d'avoir des nouveaux machins tout mignons. Ah non, c'est nouveau les petits champignons à chapeau chinois. On est sous... J'ai l'impression qu'on est sous l'eau avec ces trucs qui volent. Bah avant, on pouvait pas faire ça. Peut-être qu'on avait plus d'inertie pour aller plus profondément. Oh! Petit truc de lumière qui bouge en haut et en bas. C'est tout mignon. Ah d'accord. Intéressant ça. De l'eau au plafond. Et elle ne tombe pas. Elle est magique. Qu'est-ce que c'est que ça? Laissez-moi partir. Merci. Je pensais qu'il allait remonter si j'annulais la transformation. Du coup, je l'ai laissé. D'accord. Bon, ben. Je sais pas, on va aller là-haut, mais. Qu'est-ce qu'il voulait qu'on fasse là-haut? On prenne de l'inertie, peut-être. Et je plouffe. Trop stylé. En plus, oh, c'est en inverse là. Tout est à l'envers, j'ai l'impression. Oh, c'est stylé. J'aime ça. J'aime. Ok. Soupir. Oh mon Dieu, ce que c'est beau. L'arbre magique. C'est l'arbre Mojo. C'est-à-dire quoi est-ce qu'on peut monter là? Pas grand chose, j'ai l'impression. Ok, à nouveau de l'eau au plafond, hein, tout est normal dans ce jeu. Oh, c'est trop cool. Poc. Oh, ça fait un petit effet, mais tellement bien. Qu'il y aurait quelque chose là-dedans. Pas du tout. Ces petits champignons qui s'illuminent quand on passe dessus, c'est stylé du cul.
question c'est où est-ce qu'on doit aller? Je ne sais pas trop par contre. Hein. J'avance un peu à l'aveuglette. Des espèces de petits spores lumineux qui tombent. De quel côté je dois aller là? Pas par là pour le moment. Poc. Poc. Ah! On aura besoin de notre copain là. D'accord. Oh mais c'est tellement beau putain. Qu'est-ce qu'il y aura par ici? Ah j'aurais peut-être dû me laisser tomber. Non pas du tout. Peut-être qu'on aurait pu passer de l'autre côté d'une zone, je sais pas. On voit pas dessous, mais il y a peut-être quelque chose de planqué. Mais on peut aussi y aller par là, apparemment. C'est tellement ambiancieux ce jeu. Genre, t'es pris dedans, c'est incroyable. On voit des petits trucs mignons qui bougent partout. Je vous ai vu, les petits copains là. Ça sent le... Oh, tellement bien. Tellement bien l'idée. Enfin, je pensais avoir trouvé un petit truc secret ou un truc en haut. Pas du tout. Par sur l'autre côté. Et on peut plus revenir en arrière. Hein. On est bloqué. C'est la fin pour Brigitte. Ah, oh, ça fait sauter les trucs. Et il nous faut des... encore un pouvoir, trop bien. Je jure, c'est un pouvoir d'eau. On va pouvoir nager dans l'eau. Ou couler sous l'eau, je ne sais pas. Et des cristaux maintenant. C'est stylé, et putain. Ils ont finalement tellement fait un beau taf visuel. Hein? Genre? Que quoi? Quand ça marche vos conneries là? D'accord, on peut faire un... une demoiselle de truc. Cristal. De faire un truc, un saut, une plateforme. Un peu raté. Il faut que ce soit un cube, sinon on peut pas trop monter dessus. On glisse. Si on met un cube comme ça là. Ça suffit pas. Parce qu'il faut faire une pile de cubes. Ça va marcher. Yeah. C'est stylé. Ce petit aspect, on crée des plateformes nous-mêmes et tout. Peut-être qu'on pourra créer des plateformes qu'on veut, comme on veut après avec ce pouvoir. Toujours un rapport entre, entre ce qu'on fait et les pouvoirs qu'on chope. Enfin, avec les étoiles qui sont autour, je veux dire. Tu. Parfait. Trop cool, je kiffe trop. À quoi? Qu'est-ce que... Attends, j'ai pas compris. On peut l'ouvrir apparemment. Faut que j'enlève les trucs. On peut l'ouvrir. Mais sous certaines conditions. Et il s'ouvre seulement quand c'est au milieu, c'est ça? Faut qu'on l'arrête au milieu. Ou un de chaque côté en fait. Ah, j'ai raté. Faut que je la mette au milieu. On peut faire comme ça en fait. La technique. Prends le truc. Merci. Voilà. Le nouveau pouvoir est bientôt à nous. Poc.
Ah, elle se pète. Des fois, elle se brise, des fois pas. Dommage, j'aurais bien voulu voir la petite statue en l'air. Brigitte Douglas. C'est parti. À nous, le troisième peu vert. Qu'est-ce que ce sera du coup? Ah bah, nager, d'accord. Appuyez sur A. Ah, ok. Oh, c'est stylé. Est-ce qu'on peut faire des méga sauts? Oh, ce jeu est génial. Il n'y a rien là-dedans. Petit poisson! Des petits poissons! Il en a rien? Je dois la déco? D'accord. On peut aller un peu derrière les murs, mais juste un peu, ça qui est bizarre. Non, les poissons, ils vont clairement là derrière. Et moi, je peux pas. J'ai l'impression qu'il pourrait y avoir des trucs planqués partout. On a une espèce de chaperon rouge là, c'est tout mignon. Tu. D'accord, on coule. Et nickel. Hé, du coup, je l'avais fait changer de chemin. J'aurais trouvé ça marrant. De voir s'il n'y a pas des trucs planqués. J'aime bien fouiller, moi. Ah, viens vers là, non, viens. Ah, mettre le vibe dès qu'on s'approche de ces trucs, d'accord. Alors là, oh, je pensais que j'avais clairement rattrapé le truc. J'ai l'impression que je me suis fait arnaquer. Il est passé où ce con? Est resté au milieu là? Ça se trouve, il fallait que j'aille à droite. Pas du tout, apparemment. Tempi. Il y a quelque part par ici alors. Faut trouver des machins. Okay, ça a plus l'air d'être la sortie après avoir fait le truc, je pense. Oh, ouais, la sortie entre guillemets. Hein. Pouk. Trop cool! Oh, c'est tellement stylé, mais tellement! Pouk. Et là, on peut jouer avec ça. Insane. Complètement insane ce qu'ils ont fait. Merci. Et pouc. Et là on peut descendre. Pouc. Tellement cool. Allez. Une étoile d'eau plus. Il doit y en avoir un peu partout par ici. Oh, c'est grand, putain. Qu'est-ce que c'est que ça? On peut aller à l'intérieur, c'est ça qu'ils sont en train de me dire. D'accord, je peux pas. Apparemment, j'ai chopé les trucs là, on peut les sortir de l'eau. Ah oui, ça suffit à nous faire monter, d'accord. C'est pas voir si. Oui, c'est bon, j'ai compris qu'il était là. Arrête de faire vibrer la manette. Oula, putain, il faut qu'il se calme des fois. Parce que ces trucs, on peut pas les prendre. On peut pas passer à cause des machins rouges. Ah, mais merde! On peut les péter, d'accord. Peut-être 3 vibrants, donc on va se dépêcher. Oh, ça a l'air d'être assez long. C'est drôle qu'il repousse en temps réel. Boum! Voilà. Deuxième machin obtenu. Vas-y, on peut pas donner de nom à ces trucs. C'est un machin, du coup. C'est la zone aquatique qui est vachement stylée. C'est ma zone préférée pour le moment. Du coup, on y nous faut combien encore?
Corps 2, ça doit être les deux de côté, puis ce truc qui doit nous permettre de descendre, je pense. Quelque chose là? Hé hé, je t'ai vu toi. Petit chemin là. Peut-être en prenant la vitesse là? Non. Ah, peut-être en haut si. Je sais pas. On va aller voir par là. Est-ce qu'il y a? Ah, mais il y a un truc que je sais pas ce que c'est. Ok, puis là en bas on a quoi? Oh, ça me donne pas assez de vitesse pour monter là en haut. Hein. Ah, mais il y a un des machins aussi. Je sais pas où je suis. Ah, je suis là, d'accord. Qu'on trouve où on peut passer ou on peut pas passer en fait. Je sais qu'il est là. Arrête-toi. Il y a un petit trou là, on peut pas passer dans le petit trou. Non. Là-dedans, peut-être. Parce que là, on a pu passer à l'intérieur, non? Ah, c'est juste là, en fait, on peut les traverser. Oui, d'accord. Mais pas celui-là, que certains. Moi, c'est comment tu sais lesquels, je ne sais pas. Ok, on a lui maintenant. Et on peut ressortir par là. D'accord. Ok, si on était monté, de l'autre côté. Je sais pas comment choper le machin là. Je vois pas de truc qui pourrait nous aider à part en prenant la vitesse depuis l'eau et en arrivant à sauter, mais ça me paraît chaud quand même. Peut-être qu'il faut attendre depuis le haut là-bas. Hein. Je sais pas si c'est la sortie ou plus l'entrée en fait finalement. Sinon on n'y arrivera pas. C'est plus la sortie, il doit y avoir un autre moyen d'arriver par là-bas en haut. Pour trouver lequel par contre. Et ça c'est une autre histoire. Hein. Ok, on glisse. C'est moyen que ça va faire des petits... Ah, c'est avec ça. C'est avec ça qu'on y va, d'accord. On va trouver sans trop galérer finalement. Ah, c'est plus zoomé qu'avant, c'est marrant. Pas par là. Non, pas par là toujours, par là s'il te plaît. Ah non, j'ai raté mon saut et puis ils ont disparu. Ah, c'est des bits en bois ces trucs. Oh, l'amusement est à son summum. Et ce coin, ils ont quoi là? Tout couillonné. Elle va choper des machins là. Y'a rien d'autre là. Tu dois être capable de planquer quelque chose derrière. Un petit papillon de lumière rouge là. Et heureusement qu'il y a un dash hein, parce que sinon. Ça aurait vite été un enfer. Je peux pas passer là. Ici? C'est par là qu'on passe, nous, Jacqueline. Voilà, cette fois, c'est bon. Merci bien. Quoi? Que quoi? Non, c'est pas là? Oh non, dis pas que... Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, bah, tant pis, hein. Tant pis pour ce truc. Je l'abandonne, hein, parce que... Comment est-ce qu'on pourrait monter autrement? Se propulser tout là-bas en haut, mais on n'y arrive pas avec simplement un truc. Je sais pas. Je ne sais pas. Ah, je sais. C'est moi qui le fais faux, en fait. Faut que je prenne ces machins. Et pas que j'aille de l'autre côté, que j'aille de ce côté-là, en fait. Pour pouvoir atteindre la zone là-bas en haut et tomber du dessus. Je pense. Voilà. C'est moi qui le fais faux, en fait. Et là, on va tomber au-dessus.
D'accord. C'est plus simple comme ça aussi, effectivement. Ouais, y'a un. Oh là, quoi il sert? Faut autant marcher, pourquoi on marcherait pas? C'est moins plus long en marchant. J'ai l'impression. Parfait, ça c'est fait, du coup. Du coup, on a tous les machins ici, non? Je sais pas ce qu'il fait ce truc. Mais fais donc. Et la musique. Ah, ils en manquent un. Peut-être là-bas en bas, du coup. Celui qui a essayé de fuir. Ah, je pense qu'il fait de la lumière ce truc, hein. Ah non, mais attendez, on en a pris qu'un de ce côté. On a pris lui, mais il y en a encore un là, je crois. Voilà, ici. Ah, c'est celui qui fuyait. Viens par là, petit con. Ah, ça va être une course-poursuite. Là, on va le mettre en cul-de-sac en faisant l'inverse, du coup. Que je pense, sinon, il continue de tourner en rond. Ah non, reviens, reviens, reviens. Je pensais pas qu'il essayait de m'esquiver. Allez. Chopé. Eh oh. Tu crois que t'es plus malin que nous? Ça va pas, mon gars, hein. Eh, n'importe quoi, ça. Du coup, là, on a tous les trucs. Et je pense que ça fait de la lumière pour qu'on puisse descendre tranquillement. Ça, c'est la tortue! La fameuse. Faut qu'on la suive, hein, sinon on va perdre la lumière. Ah, mais elle nous attend. Elle nous suit, en fait. C'est elle qui nous suit. Sais pas vraiment à quoi elle sert, mais elle nous suit. Ah ouais, elle sert quand même pas mal, hein. Sinon, on verrait que dalle. C'est trop beau. La super tortue. Une pelle s'arrête là. Et si on veut remonter, elle nous aide pas, d'accord. Sympa la tortue. Et on tombe dans les abysses. Ah, on tombe beaucoup là. Hein. Elle était pas prête là. D'accord, bah on va aller par là, hein. Si tu me l'incites fortement, c'est qu'il y a sûrement une raison. Banana. Oh le pied! Le gros pied! On aime ça les pieds. Oh des culs aussi. Putain ce jeu. Je sais pas, c'est pas des trucs planqués en fait. On peut pas, d'accord. Genre là. Genre là y'a rien. Mais si, y a des trucs par là. Que dalle, d'accord. C'est d'où on venait, non? Je suis perdu. D'où on est venu? On peut aller par là, c'est une chose. C'est l'autre côté qu'on devait aller. Y a un chemin là? Non. Non, on peut pas passer, donc on est obligé de passer par ici. Ça, je suis d'accord, hein. Et après? Ah, on peut monter dans la cascade, d'accord. Pardon, j'avais pas capté. Salut toi. Pas mal ça. Petite cinématique. On obtient quoi maintenant? Le blanc. Ah, c'est beau, putain. C'est stylé, putain. Complètement stylé. On a allumé la lune.
Comme une ampoule. Succès déverrouillé est jaune. Maintenant, foncez B. Oula. Oula, j'ai maintenu enfoncé B, mais ça peut pas l'air d'être une bonne nouvelle, en fait. Ah non, très mauvaise idée de maintenir enfoncé B. Pourquoi j'écoute le jeu? C'est quoi, cette fois? Oh! Oula, on prend la fuite. Il a l'air vénère, lui. Hein. Contrairement au piaf, il a l'air... Ah bah c'est le piaf, le retour! Il est de retour. Il va dans l'eau et il se transforme en autre chose. Là c'est pas moi qui joue, il bouge tout seul hein. Là c'est moi qui joue. Donc on va peut-être se bouger le cul hein. En fait c'est un Dark Splatoon hein. Non non, arrête arrête arrête. Ouh, ça passe pas loin hein. Oula, là aussi. Non, on dégage. Putain, c'est tendu du cul à chaque fois hein. D'accord, il fallait faire un choix. Est-ce qu'on a pris le bon? Je ne sais pas. Oui, mais comment je sais où je dois aller, moi? Séparé en deux. Il est perdu. Putain, je suis tellement crevé, je le sens. Voilà, c'est des mini-anguilles. Oh, laissez-moi tranquille. Hein. Si on sort de l'eau, elles vont être bloquées ou... Et elles vont continuer à nous suivre. On voit plus rien là. Et où la tortue qu'on a aidée avant? D'accord, on n'est plus poursuivi. Ils nous ont perdu dans le noir. Ou est-ce qu'il est toujours en train de nous poursuivre? Ah, je crois qu'il est toujours en train de nous poursuivre. Hein. Clairement. Clairement, clairement. On va se calmer, hein. Ah, oh, je vois rien. Ouais. Putain, je suis tellement perdu. Je sais même pas si je vais dans le bon sens, hein. Allô, la lumière? Merci. D'accord, il est vénère, hein. Je crois qu'il nous cherche. Vous pouvez nous remettre de la lumière de temps en temps, ce serait cool. Ok, on est dans une grande zone là. Ok, on va là en bas. On sera en sécurité là en bas. Peut-être. D'accord, on n'est pas du tout en sécurité. Clairement pas du cul. L'anguille de ses morts. Hein. Non mais arrête! Il a rien fait pour mériter ça, moi. Moi je veux juste vivre ma vie. Le petit personnage de jeu vidéo. Putain, à chaque fois, il me bouffe une patte, hein. Enfin, une patte, une jambe. Plutôt désagréable, hein. Non, on arrête. Laisse-moi tranquille. Je veux vivre. Ça passe. Le dash, il est pas assez souvent. Hein. On peut pas dasher assez souvent, clairement pas. Non, non, non. Ah, sauvé par la tortue. On a bien fait de la secourir. Thanks, bro. C'est bro la tortue. Merci, je savais que je pouvais compter sur toi. Elle fait des bruits bizarres quand même. Hein. On est revenu, on est où là? Par ici du coup? Pour la tortue de l'enfer! Et on tombe. On est où là? Je sais pas où je suis moi. Je suis perdu. Perdu dans mon univers là. Ah, des cristaux de nouveau. Il va y avoir un truc pas lent parce que ma manette est élevée, moi.
Mais de moins en moins fort. Je sais pas ce que c'est ce truc, hein. Petite lanterne. C'est la forêt par ici. Oh. D'accord. On peut monter sur cette. Et là, on a notre nouveau pouvoir là, quand ça marche. Maintenir B là. Non. En tout cas, pas qu'on passe par là, faut qu'on fasse le tour. C'est juste de l'éclairage ici après. Hein. Ça change pas grand chose. Nuit jour, et eh ben le cycle il est plutôt rapide par ici. Hein. Non, ça fait rien. Ah, des petits sauts avec nos papillons préférés. Je vais faire ça, mais en fait maintenant on peut nager dans l'eau, donc on s'en fout. Tout par là du coup. Bah les mers c'est quand tu veux par contre. Ah c'est de l'eau ici, d'accord. C'est de l'eau. Il faut le savoir. Ah, j'oublie à chaque fois que les cascades on peut... On peut aller dedans. On dirait pas comme ça en fait. Ah non, la cascade du milieu elle monte. Brigitte, voyons. Tu écoutes jamais pourtant. Oula, on glisse. Allô, la lumière? Non mais s'il te plaît, la lumière. D'accord, elle s'en bat les couilles, super. On va aller par là, hein. Mais... Pourquoi elle s'allume pas? Merci. Ok, il faut le comprendre ça, mais d'accord, c'est intéressant. Petite bulle là, pelouche. Bonjour, je cherche la sortie. Petit poisson, peux-tu m'aider? Attendez, on n'est pas déjà venu là? Non, pas du tout. D'accord. La cascade, n'oublie pas la cascade, le pouvoir de la cascade est plus fort qu'il n'y paraît. Ah c'est des gouttes d'eau, c'est merde aussi. Ah c'est merde. C'est des trucs. Ça fait sens, ça fait sens. Où est-ce qu'on va ressortir maintenant? Ah bah juste ici, d'accord. Et bah toutes les étoiles pour le plafond des étoiles maintenant. Combien on en a maintenant? On a chopé un paquet quand même. Hein. Je pense qu'il nous manque qu'une. Hein. Je pense qu'on doit aller sur la zone à gauche maintenant. En tout cas, c'est parfait pour dire au revoir YouTube, des bisous, abonnez-vous et à la prochaine. Ciao, ciao!